Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler encore une fois de notre jeu Hamsters Combat. Et nous allons parler de la plus grosse erreur. Non, non, non! Pas la mienne! La tienne! Une erreur que, malheureusement, beaucoup d'entre vous refont sans cesse. D'accord, allons-y. Nous avons déjà discuté de la stratégie globale de combat des hamsters. J'espère que tu as vu cette vidéo. Salut. Sinon, voici le résultat. En résumé, votre objectif principal pour le jeu est d'améliorer les cartes dans la section esprit. Ces cartes vous aideront à augmenter votre profit par heure, c'est-à-dire le taux de passage de votre échange. Revenu. Il est également essentiel de réaliser des tâches de la section gains pour obtenir des points supplémentaires dans vos profits. Vérifiez le jeu toutes les 3 heures pour vous assurer que les revenus de votre échange continuent de croître. Et invitez vos amis en utilisant le système de parrainage. Donc pour chaque ami que tu invites, tu reçois. Et maintenant, passons aux combos quotidiens. Les combos quotidiens vous aident à gagner un énorme bonus de 5 millions de pièces. Mais on s'est un peu distrait. Revenons à l'essentiel et regardons quelques vidéos. C'est bientôt. Au revoir. Au revoir. À chaque fois que je regarde ces vidéos, elles me font sourire. Les hamsters, mettons-nous d'accord pour jouer intelligemment. J'adore ta façon de penser et ta dévotion pour le jeu. Tu as peut-être déjà amélioré ton niveau multitap et augmenté ta limite d'énergie. Et tu ne veux pas t'arrêter, mais c'est une grosse erreur. Tu n'obtiendras pas le résultat que tu veux. De cette façon, en conséquence, tu pourrais même faire une erreur de plus. La majorité des hamsters sont tellement occupés à essayer de gagner autant d'argent que possible qu'ils ne le dépensent même pas. Essayez de le sauvegarder. Disons que vous faites vos tâches. Obtenez des bonus, et mes amis. Beaucoup. Et maintenant, vous avez 100 millions de pièces dans votre solde, mais cet argent ne vous sera pas utile à moins qu'il ne travaille pour vous. Alors s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Dépensez votre argent judicieusement. Choisissez les cartes avec le plus gros revenu passif, et puis tous les hamsters seront joyeux. Ho ho! Vous avez appris la leçon. C'est tout pour aujourd'hui, les hamsters. Abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez pas les nouveaux épisodes.